un effectif, un système, un dispositif, j'y arrive, similaire à celui de la semaine dernière, un 4-2-3-1. Content de retrouver rapidement Antoine Bernier, voilà qui est fait, Bernier. Le centre à venir, ici la tête. N'y a-t-il pas une faute de main? Non, rien dit l'arbitre, ce n'est pas terminé, on s'écroule dans le rectangle. Cette phase dans le rectangle, y avait-il une faute de main ou non? Eh bien honnêtement, oui. J'ai l'impression, à ce que ce ralenti ici, c'est... On est déjà en train de se mettre d'accord sur un éventuel tireur. Arthur Denis, et je pense qu'il va indiquer le point de pénalty. Effectivement, pénalty pour Serein. Premier tournant de cette partie. Et c'est Marius finalement qui a pris le ballon en main et qui se dirige donc face à Lennart Möser. Marius peut-être pour placer Serein aux commandes. Les petits pas et ensuite le ballon qui termine au fond. C'est 0-1 pour le RFC Serein. Encore bien long, mais un pénalty. Corner désormais, mais de l'autre côté. Ça arrive en première zone, le point. Et c'est Christy Davis qui sauve ça. Ah, c'était bien tenté, super déviation. Mais aussi sur YouTube. Et si vous comprenez le néerlandais, eh bien je vous conseille également la version néerlandophone avec Dave Peters comme présentateur et comme invité. Water. C'est bien joué ça de la part de Marius Conceição qui trouve la profondeur pour Bernier. Bernier face à Lambert. Antoine Bernier, il est vif, il est rapide. Il peut faire la différence en un contre un. Il trouve Marius. C'est 0-2 pour le RFC Serein. Et c'est mérité au vu de cette première mi-temps. Quel bon travail de Marius qui inscrit son deuxième but de la soirée. Et superbe jeu du corps. Hein. Il parvient vraiment à l'éliminer. Oh. Se fait bien trop facilement éliminer ce compteur en l'espace d'une mi-temps. Abanda, vous avez Bernier là qui est un petit peu seul, mais Lambert l'avait vu. Et donc intervenu. Bernier, attention hein, à ne pas s'en prendre un troisième. Bernier, Bernier, c'est goal, c'est 0-3. Antoine Bernier. Et sur le banc de Serein, on devient véritablement fou. Antoine Bernier, passeur il y a quelques instants, buteur désormais. 0-3. J'ai l'impression de Kral. Ballon parfaitement placé. Il ne manque pas ses premières minutes avec les Pandas. Magnier avec Prébiak. Il y a une faute de main. Magnier, l'avantage est laissé. Magnier, le goal. 1-3. Beau but également. 1-3. Peters, le centre pour Maggi. En retrait, il y a Van Hoenechten. Mais il préfère repartir directement vers le rectangle. Prévliac à tête. Ce n'est pas cadré. Et attention sur la transition. La Saini à gauche. Il a vu Poati qui est parti face à Deom. Et là, ce sera un pénalty. Oui. Faute de Jérôme Deom dans le rectangle. Carte jaune. Et peut-être la fin du suspense. Le contact commence en dehors du rectangle. Sauf si on estime que ce contact-là n'était pas fautif. Et bien voilà, effectivement, ce sera un coup franc. Décision qui me paraît absolument logique. Arthur Denil. Mais dans quelques instants, M. Denil va mettre un terme à cette rencontre. Voilà qui est fait. Victoire sérésienne sur la pelouse de Penn. Les premiers.